Donc après le match contre Bordeaux, t'as des regrets ou là, la défaite était logique? Ouais, c'est clair qu'il y a des regrets parce que quand on voit les faits de match, c'est clair que ça nous laisse beaucoup de regrets. Mais bon, ce qui est fait, on va pas revenir là-dessus. Au contraire, il faut se servir des erreurs pour pas en recommettre sur les matchs suivants. Mais bon, maintenant, il faut oublier Bordeaux et on a un match qui arrive très rapidement, donc c'est mercredi. Et on va essayer de faire un bon résultat pour partir en vacances sereinement. Et après le match, Christian Gourcuff a parlé de comportement individualiste sur le terrain. Tu l'as ressenti? Bon, non, pas trop. Bon, après, c'est difficile à dire parce que bon, voilà, c'est un match particulier, on en prend 4, après c'est difficile quoi. Donc ça s'éparpille un peu sur le terrain, on n'est plus en place, donc c'est à nous, sur le terrain, de se prendre en main et de corriger ses erreurs et puis, comme j'ai dit, de pouvoir commencer. Du coup, sens-tu une pression particulière pour la réception de Valenciennes? Non, il ne faut pas se mettre de pression particulière, il faut aborder ce match comme on l'a toujours fait à domicile. Et puis, bon, c'est vrai qu'en ce moment, ça ne nous serait pas offensivement, on n'arrive pas à concrétiser nos occasions. Mais bon, voilà, il faut donner un dernier coup de collier, ça va être un match difficile contre une équipe qui joue très bien les coups offensifs, donc qui marque beaucoup de buts, qui se comporte bien en plus à l'extérieur. Donc nous, on va bien se préparer pour essayer de faire un résultat. Il y a un match du Mercato, es-tu satisfaite en début de saison? Satisfait, oui et non, parce que bon, j'ai malheureusement été blessé à un mauvais moment de la saison, parce que j'étais en pleine possession de mes moyens, j'étais bien physiquement, et puis dès mon retour de match, je me suis blessé face à Lyon, donc après, bon, ça a été ma blessure, m'a écarté des terrains pendant un long moment, donc, mais bon, là je suis content, je suis satisfait parce que je rejoue, et puis ensuite, malheureusement, je ne serai pas là à la reprise parce que je pars en Coupe d'Afrique. Donc voilà, j'espère que le mois de janvier sera bon à Lorient. On a pu voir les événements autour du match contre l'Égypte. Comment tu l'as vécu toi? Bah, ça a été difficile, mais en même temps, ça nous en tant que joueurs, ça nous a vachement ressoudés. Donc, puis ça a été toujours dans le sens positif. Et puis on a vu que partout dans le monde, tout le monde s'est uni derrière nous. Et puis bon, ça fait plaisir et puis ça fait chaud au cœur.